www.casarema.fr. Bonsoir à tous. Je te pardonne, mon frère. C'est pas Maïs, c'est Semaïas. Nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En fait, Semaïas, c'est un mot qui vient de l'hébreu qui veut dire celui qui écoute et obéit la voix du Seigneur. Et voilà, je remercie mes frères et sœurs pour m'avoir invité ce soir. Et je suis là pour donner la gloire au Seigneur et pour proclamer au monde entier ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis français de parents colombiens et je vais chanter en espagnol. Alors, que toute la gloire soit pour Jésus-Christ et on voit. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Soyons libres, comme a dit notre sœur tout à l'heure. Vraiment, laissons la place au Saint-Esprit, soyons sensibles à la présence de Dieu et que le Seigneur fasse comme il veut. Je peux en profiter pour vous dire d'où je viens. Alors, ça fait maintenant 4 ans que j'ai connu le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur il y a maintenant 4 ans. Le salut est venu à ma maison à travers ma mère. Et ma mère a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Elle a commencé à aller à l'église et à prier pour ses enfants. Personne, au début, ne la respectait et ne respectait sa croyance. Et bon, ma mère priait et moi je crois beaucoup en la prière car j'étais vraiment loin de Dieu, dans esclave de beaucoup de choses de ce monde. Esclave de l'alcool, malheureusement, des drogues, esclave de la délinquance et des perversions sexuelles que l'ennemi nous propose chaque jour. Et comme dit la Bible, le prince de ce monde a aveuglé les compréhensions afin que la lumière de l'évangile ne resplendisse pas dans les cœurs. Mais moi, je veux donner une parole d'encouragement à toutes ces mères qui nous regardent ce soir, qui peut-être sont en train de prier pour leur fille ou leur enfant ou leur garçon, et qui peut-être les personnes leur disent qu'il n'y a plus rien à faire, parce que ça fait déjà trop longtemps qu'ils prient, ça fait déjà trop longtemps qu'ils sont en train d'aller aux réunions de prière, qu'ils intercèdent. Et je voudrais leur dire, ne lâche pas l'affaire, ma sœur, car le Seigneur n'arrive jamais en retard, ni en avance, il arrive au bon moment. Et c'est lui qui sait comment il fait les choses. Et si quelque chose se passe dans ce monde, c'est parce que Dieu le permet. Bon. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré le Seigneur, non pas dans une église, non pas quelqu'un m'a parlé de Dieu, mais je voudrais édifier toutes ces personnes qui ne croient plus au miracle de Dieu. Le Seigneur a touché mon cœur dans une maison. J'étais avec des amis, et ce n'est pas dans une prédication, c'est par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, parce que je crois au Saint-Esprit, je crois en ma Bible, et dans ma Bible, il dit que nous recevrons la puissance du Saint-Esprit. Et le 6 mars 2010, alors que j'étais avec des amis, ils sont tous couchés, je suis resté en train de méditer. Et dans les coups de 3 heures du matin, j'entends une voix qui m'a parlé et qui m'a dit « Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. » Ce jour-là, j'ai compris que j'avais un Dieu qui m'aimait, un Dieu qui existait et un Dieu qui avait un plan merveilleux pour ma vie. Après cela, j'ai commencé à me renseigner sur la vérité de ce monde. J'ai commencé à avoir soif de Dieu. Et l'amour de Jésus-Christ m'a touché. Vous savez, les autres prophètes ont dit, ou bien des philosophes ont dit, aime ton prochain. Mais Jésus est allé bien plus loin que cela. Jésus a dit, aime ton ennemi. Bénis celui qui te maudit et pardonne celui qui te blesse ton cœur. Vraiment, j'ai vu cette parole si merveilleuse. J'étais quelqu'un qui n'avait aucun espoir dans ce monde. Mais à travers l'évangile, le Seigneur m'a redonné l'amour de la vie
et j'ai pu avoir une espérance dans ma vie. J'ai commencé à lire la parole et à lire les évangiles. Et j'apprenais chaque jour davantage sur la personne de Jésus-Christ et sur ce que Dieu m'avait sauvé alors que je ne le méritais pas. Simplement par sa grâce et par son amour, par sa miséricorde. Non pas parce que je l'avais mérité par mes œuvres, mais parce que sa grâce et sa miséricorde est immense. J'ai commencé à prendre des décisions dans ma vie, parce que lorsque le Seigneur se révèle à toi, il faut prendre des décisions. Je ne connais pas ta vie ce soir. Je ne connais pas ton parcours. Peut-être que tu as déjà le Seigneur, peut-être que tu aimes le Seigneur, mais tu es un peu loin de lui. Tu es loin de lui, tu vas à l'église peut-être, mais ton intimité n'est plus la même avec le Seigneur. Mais je voudrais te dire, mon frère, ce soir, la parole de Dieu dit, ferme la porte de ta chambre et cherche le Père dans le secret. Et ce que tu feras dans le secret, il te récompensera en public pour sa gloire et pour son honneur. Comme dit mon frère, ici nous sommes des Africains, des Latinos, des Américains, des Européens, des Asiatiques. Parce que Jésus a prêché le royaume des cieux et nous sommes ses enfants. Et nous sommes des enfants de Dieu ici réunis pour sa gloire. Jésus a dit avant de partir, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et voilà notre mission. Si tu n'as aucun but dans ta vie, mon frère, moi je suis le premier qui dit, un chrétien ne peut pas dire qu'il galère ou qu'il n'a rien à faire. Si tu n'as rien à faire, tu as une Bible, tu as le Saint-Esprit, tu peux prier ton Père dans le secret. Ou bien tu peux ouvrir ta bouche et aller annoncer la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu qu'ils ont un Dieu qui les aime. Qu'ils ont un but dans leur vie, qu'ils ne sont pas là par hasard. Le Seigneur est merveilleux. Lorsque j'ai commencé à comprendre que Dieu avait un plan pour moi, la première chose que j'ai dit, c'est « Pardonne-moi, maman. » Sans que personne ne vienne me dire, je dis « Maman, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. » Et c'est vrai. Souvent, on pense que quand on parle de Dieu, il faut mettre un air triste, vraiment démotivé. Mais non, le Seigneur, c'est la joie. Le Seigneur, c'est l'allégresse. Il est merveilleux. Et même s'il faut improviser, j'improvise, hein, c'est pas grave. Hein. Ici, on n'est pas religieux, tu sais. En espagnol, hein, fais un petit coupé décalé, ouais, comme tu veux. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Bon, je voudrais vous voir lever, s'il vous plaît, pour la gloire de l'Éternel. Cambiar de vida de una vez por todas, dame media vuelta, aunque toque duro. No desmayes ahora, esto solo empieza. Ven a la iglesia y recibe a Cristo. Cambiar de vida de una vez por todas, dame media vuelta, aunque toque duro. No desmayes ahora, esto solo empieza.
Venezuela, hey, la media vuelta en Etiopía, la media vuelta, hey, hey, hey. La media vuelta, hey, la media vuelta, la media vuelta, hey, la media vuelta en México, en Panamá, en Haití, en Congo, en Curazao, en Holanda o en París, la media vuelta, hey,
su nombre, gloria. Quien vive, Cristo. A su nombre, gloria. Quien vive, Cristo. A su nombre, gloria. Quien vive, Cristo. A su nombre, gloria. Oh, quien vive, Cristo. A su nombre, gloria. Quien vive, gloria. A su nombre, gloria. Quien vive, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Quien vive, Shalom. Alléluia. Amen. Invito a la traductora. La traductora. Melody. Aleluya. Aleluya. Para mí es un honor estar aquí en este lugar. D'être ici. Me siento honrada. Je me sentis, je suis vraiment honorée. Poder pisar. Pouvoir pisser ici. Este país. Fouler. Europa. Dans ce pays de l'Europe. Yo sé. Je sais. Lo que Dios. Ce que Dieu. Va a ser aquí en este lugar. Va faire ici dans. Va a ser algo poderoso. Il va faire quelque chose. Sobrenatural. Surnaturel. Gloria de Dios. La gloire du Seigneur descendra sobre este lugar. Descendre dans ce lieu. Porque la gloria de Dios. Parce que la gloire de está Dieu. Está cayendo. Sobre este lugar. Sur ce lieu. Este vestuario que yo traigo el día de hoy. Ce soir. Les vêtements que je me, avec lesquels je me suis habituée. Es un traje. C'est quelque, c'est un habillement. Hecho por artesanos. Qui était fabriqué de mi país, de mon pays. México. De Mexique. Chiapas. De Chiapas. Y me lo hicieron. Ils ont tout fabriqué. Para estar aquí el día de hoy. Pour ce soir. Para este evento. Pour cet événement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Esta alabanza. Cette louange. Se titula. C'est le titre. Intitulé. La gloria de Dios. La gloire de Dieu. Está cayendo sobre este lugar. Descend sur ce lieu. Con música de México. Avec la musique du Mexique. Con banda. Et la bande. Amen. Amen. Applauso. On a applaudi. El profeta Ageo declara en el capítulo 2. Oh, aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Esta es una de las promesas que Jehová nuestro Dios está haciendo realidad en estos últimos tiempos para preparar la venida de Cristo. Viene con una iglesia que conoce su verdadera gloria en adoración, en espíritu y en verdad. Esta alabanza es una invitación. On vous demande de se tous lever à pied. Aleluya. Amén. Oh, Señor. Escuchemos. Te adoramos, Señor Jesús. On t'adore, Señor. Recibe la gloria, reçois la gloire, Señor. Es la gloria de Dios. Que está cayendo sobre este lugar. Dans ce lieu. Algo está cayendo aquí. Esta fuerte sobre mí. Mes manos levantaré. Mes mains je vais lever. Et sa gloire tocaré. Et sa gloire je vais toucher. Su gloria sobre mí.
J'aimerais que dans cette soirée, nous soyons vraiment dans la liberté. D'accord? Ok, dans la liberté. C'est-à-dire que nous sommes en famille. D'accord? Donc, dis à celui qui est à ta droite et à ta gauche, sois libre ce soir. Dis-lui encore, sois libre ce soir. Ne te retiens pas. Si tu as envie de danser, alors vas-y, danse. Si tu as envie même de crier, alors crie. Si tu as envie de chanter de tout ton cœur, alors fais-le. Le chant que nous allons chanter maintenant, eh bien, c'est un chant de bénédiction. Il dit « Sois béni ». D'accord ? Alors, tu vas le chanter de tout ton cœur et tu vas même le chanter à ceux qui sont à côté de toi. On dira bien « Sois béni ce soir ». Sois béni, sois béni, sois béni, oui, sois béni.
s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Je demanderai juste, s'il vous plaît, aux parents de garder leurs enfants pour éviter qu'ils soient là. Je sais qu'ils sont dans la joie, mais il faudrait vraiment qu'on puisse les garder. Le service d'accueil, s'il peut surveiller cela aussi. Est-ce que vous croyez que la joie du Seigneur, c'est votre force? J'ai pas entendu. Est-ce que vous croyez que la joie du Seigneur, c'est votre force? Alléluia! Alors on va le déclarer ce soir, ok? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Tous les yeux là tu fais sentir combien votre cœur devient léger. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie, la joie, la joie du Seigneur est ma force. Oui, elle est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, tournez les yeux. Se rencontre et il fait du bien. Est-ce que vous connaissez son nom? Est-ce que vous connaissez son nom? Jésus-Christ, toujours vivant et éternel. Acclamons-le bien fort.
partout il va, il nous fait du bien. Partout il va, il nous fait du bien. Et si tu ne le connais pas ce soir, alors je veux te dire que tu peux le rencontrer et il va te faire du bien. Alléluia. Partout il va, il fait du bien. Partout où il va, il fait du bien. Le puissant guérisseur, les lépreux, quand on te le voit, il se met à marcher. Partout où il va, il fait du bien. Partout où il va, oui, il fait du bien. Le puissant guérisseur. Jésus, et je danse, Jésus, oh, je saute, 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 Jésus, quand moi tu le vois, il se met à marcher, oh, amen, 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 encore, amen, oh, I'm
désir brille en moi. Cette flamme, elle brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Tu vas regarder celui qui est à côté de toi et tu vas dire brille en toi, 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 oh brille en toi, brille en toi, brille en toi, eh brille en toi, 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 brille en toi. Alléluia! Alléluia! J'ai vu qu'il y a des danseurs, mais je sais encore qu'au milieu de vous, il y en a d'autres. N'hésitez pas, amen. Qui veut se réjouir ce soir? Qui veut se réjouir ce soir? Alléluia! Réjouissez-vous, nous dit la Bible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et si ce soir tu as un cœur triste, alors crois-moi, tu vas ressortir avec la joie de l'Éternel. Amen. Réjouis-toi en Dieu. Alléluia. Réjouis-toi en Dieu. Réjouis-toi en Dieu. Lève tes mains, crie de joie vers lui. Réjouis-toi en Dieu. Réjouis-toi en Dieu. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Réjouis-toi. Réjouis-toi en Dieu, réjouis-toi en Dieu, lève tes mains, crie de joie vers lui. Réjouis-toi en Dieu, réjouis-toi en Dieu, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Encore, réjouis-toi, réjouis-toi en Dieu, oui. Réjouis-toi en Dieu, réjouis-toi en Dieu, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Donne-lui la gloire.
C'est aujourd'hui ? Ah oui, c'est aujourd'hui. Faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Je sais. Moi, j'y vais. Pourquoi jeter de l'argent par les fenêtres ? Alors qu'avec nous, devenir propriétaire, c'est possible. Et seulement avec 1400 euros de revenus. Richesse immobilière et retraite, vous logez, est notre priorité. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarima, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarima Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarima est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier 93 110 Rony Sous-Bois. Casarima Studio est là pour tous vos événements.